Non, de quoi, c'est quoi la bonne nouvelle? On peut pas dire chut, on va pas l'entendre ici. Je vous ai dit de rien dire parce que quand Madetta Marrington arrivait, elle est là. Ah. De quoi on parle? Voilà. Je viens de la réunion. Voilà, ouais. Monsieur Lévy, c'est quelle heure la réunion? Dans 25 minutes. 25 minutes, tu es en retard, c'est bon. J'y récorde. Vous organisez une réunion, monsieur Lévy? À quel propos? Danisburg. Ah oui. Pour redynamiser la ville, non, c'est ça? Ouais, mais là, c'est vrai que ce soir, la réunion, parce que je comprends, ça va être compliqué. Ah bah, pour moi aussi, hein. On verra bien. D'ailleurs, j'ai dit que s'ils allaient à Armadio, moi, je vais à Black Tower. Je les attendrai là-bas. De quoi, Mathieu Placoteau? Quoi? J'en sais rien. De quoi, Mathieu Placoteau? J'en sais rien, ils ont juste dit qu'ils allaient là-bas. Y a rien, on sait pas. Je sais rien. J'avoue que j'entends la moitié, moi, perso. Heureux. Quoi, moustique? Bah, on est à côté de la rivière, hein, le moustique, ça y va. Et puis là, il a l'air de faire quand même bien humide là, c'est pour ça qu'il doit bien se reposer dans les villes à moustiques. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'arrive. Putain, le moustique. Bon, ça va, là sur trois claquements de main, m'arrive à avoir deux moustiques, c'est pas mal. Bien joué. C'est un bon ratio. C'est un vrai tueur. Exactement, la vache bleue d'Anisberg. Toujours contre les moustiques. Ah ouais, trop bien. J'avais oublié de faire mon chat. Et salut, Tucker. Pendant quelques minutes, j'ai cru que j'étais devenu sourd. Ouais, c'est normal, je peux appeler, je peux discuter et j'oublie d'appuyer sur le bouton, quoi. Ça pourrait faire une belle chanson. Je pense qu'il y a quelque chose avec l'ombre blanche. Ah bah tiens, quand on parle de l'ombre blanche. Je pense qu'il y a quelque chose à écrire. Hein. Je me fonds dans votre. La mère m'a appris. Le cheval du monsieur est fatigué. On dirait lui. Oui, qu'il est tout fatigué. Ah oui. Oh là, il est tout palichon. L'ombre blanche, c'est lui. Ce serait pas plutôt la dame blanche? Oh, habile. Certainement. Ah, peut-être. Oh, ça fait loin. Hola. Ah, hola. Et bonsoir, monsieur. Si, vous tranquillo. Exactement. Comment te vas-tu? J'ai eu l'occasion de se croiser déjà. Et ça va bien. Ah, si, il repeint la gare, je me rappelle. Exactement. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Rien du tout, et regardez si un peu du. Vous êtes en train de qu'est-ce qu'il y a au ventre? Si, il me promène pacifiquement, vous connaissez quoi. Ah, mais écoutez, tant que vous faites pas de grabuge dans la ville, vous êtes le bienvenu. Hein. Si, ils veulent pas le promener au sol, quoi. Oui. Alors qu'on parle avec Jane. Oui. Ouais. Tu fais des gars en attendant? On a monté un 3 quarts d'heure maximum. Ouais, ok. Tu vas avec Tucker et puis on fait des pions. Oui, bah, je vais voir combien on est et puis on va faire des groupes à droite à gauche, faire des patrouilles. Beaucoup de hors-piste de la recherche, faut pas hésiter, hein, que juste tourner sur les routes. Oui. De toute façon, moi quand je faisais mes patrouilles, j'en faisais des plus grandes. Je faisais vraiment un peu de tout, donc je faisais de la présence. Je faisais jamais, je fais que une rouge, après j'ai fait une verte, non, moi je prenais, comment dire,
toi l'ensemble des trois trucs quand je faisais ma patrouille. Donc je vais leur dire qu'ils fassent des patrouilles et qu'ils aillent vraiment dans les zones où il faut rester un petit peu 5 minutes, voilà, pour voir qu'ils voient quelque chose ou pas. Donc ouais, t'inquiète, je vais gérer ça. Ça marche nickel. Bon bah allez, maintenant. Ouais. Les gars, vous opérez à Lambert et à Tucker ce soir, on revient d'ici 1 heure. Maximum. Ouais, ça marche. C'est noté. Ouais, faites gaffe à vous et faites donc passer les grands bouts. Non, bah j'allais dire, en fait, il y a à part du coup Isaac qui est parti avec Jen, il y a qui ce soir par nous trois? On va aller ensemble avec Jane. Pour l'instant, on est trois, donc on va rester un petit temps ici, je pense. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui se réveille. Et puis après, on verra à ce moment-là pour organiser les choses. Ouais, faire des patrouilles, aller dans les. Question. Qui veut venir à la réunion à la place de Garvey? Je sais pas, ça va dépendre en fait de combien de personnes vont se lever, parce qu'il faut qu'on arrive à quand même garder présence dans la ville. Donc on attend de voir un petit peu si d'autres personnes se lèvent, et puis on va voir à ce moment-là. Ouais, avec Lambert. Parce que Herb est pas là pour le moment. Oui, c'est ça. Mais Herb doit pas être bien loin. Parce qu'il était là juste avant la tempête, donc. Ouais, bah il va pas tarder. Ouais, il va pas tarder, Herb. Oui, certainement. Après, il était en tenue, il était en service, donc. Je pense qu'il va être. Il doit pas être bien loin. Il ait pris sa fin de service et qu'il soit parti en civil, mais passe le chapeau, Esther. Bon. Oui, d'accord, j'avais pas vu ce qu'elle a mis le chapeau, Isaac. Ah ouais, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe. Oh putain, c'est. Ouais, d'accord. Non, mais des fois, faut même pas chercher à comprendre. Non. Ça, c'est sûr. Bon, on va attendre 5 petites minutes, voir s'il y a quelqu'un qui vient là. En plus, je pense qu'il y a le train, 21h20. Oui, on l'a fait tout à l'heure, nous, avec. Je sais pas quoi, il a moldu un chéri. Est-ce que ça vaut le coup de sécuriser une deuxième fois? Logiquement, il faudrait, mais si on n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez nombreux. Non, bah non, si on est. On va dire qu'on est à 21h20, on est que tous les trois, bah non. On va pas envoyer quelqu'un. Ouais, même d'accord, ok. Ouais, ouais, on fait les patrouilles à 4 parce qu'il y a pas mal de monde qui tourne dans le coin en ce moment là, donc on a dit on fait les patrouilles à 4. Des trucs, mais non, là, ouais, en ce moment c'est à 4. Jusqu'à Saint-Denis, tu vois ce que je veux dire. Ah si, il vous l'achète si vous voulez. Il est en train de vendre de la drogue ou c'est moi? Non, non, non. D'accord. Il a dit qu'il en avait sur lui. Monsieur, vous avez voilà. Une brosse? Vous avez une brosse? Une brosse, c'est quoi ça? Oui, une brosse sur le cheval. Tout va bien. Non. Tu vois, elle m'a pris la brosse depuis, elle la trouve plus, tu vois. Ah, compliqué. Mais oui, elle veut dire dans les General Stores. Vous croyez qu'il y en a? Dans celui-là, je suis pas sûr. Si. Oh, c'est sûr, dans notre General Store, il n'y en a pas.
Et est-ce qu'il y a des dollars? Non, par contre, il y a des peines de prison. Ah, si, okay, alors. Oui, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Oui, ça serait mieux. Je sais pas lui faire des petites caresses, ça lui ferait du bien. Vous avez dû faire une longue trajet, un long trajet. Non, si, long trajet, la boule à tequila et tout, il est fatigué. Dès qu'il dessoule. La tequila pour le cheval, je suis pas sûr. Vous croyez qu'il m'a demandé la permission, il a pris la bouteille et hop, il se l'est mis direct. Vous appelez comment, madame? Tout dans le gosier. Docteur Blanche. Madame Carotte. Docteur Blanche et madame. Oula. Je vous remercie. C'est dingue, ça. Essayez de m'étrangler. C'est comme ça possible. Bah, peut-être qu'ils veulent que t'arrêtes de filmer. Chapeau là, c'est un chapeau d'officier shérif, vous pouvez pas malheureusement le porter comme ça. Même si je dois noter, vous êtes très élégant avec. Ah si, regardez. Associé avec les shérif, rendez-vous. Ah, ce serait presque convaincant. Presque. Il est postulé, toi. Ah oui. Au shérif Butch. Oui. Il me voulait pas, toi. Alors, je pense avoir un début de réponse de pourquoi. Peut-être le fait qu'on vous ait fait repeindre la gare la dernière fois, peut-être que ça y joue. Ah, si. Je m'avance peut-être, hein, mais si vous faites pareil, on repeint la gare et arranger les grilles de, comment ça s'appelle, de perforateur. Et échanger tout ce qu'il y avait, les meubles, parce qu'on a cassé les meubles aussi à Blackwater. Alors, malencontreusement, j'imagine. Donne. Malencontreusement, la destruction des meubles. En fait, il voulait du fromage, il n'en avait plus. Ah. Et ça m'énerve. Ah oui, ça vous a déçu, est-ce que je comprends? J'ai l'impression que vous êtes assez tatillon sur la nourriture. Si, tu sais, les gorgitos, on a toujours faim, en tout cas. Si. Ah bah regardez. Eh salut, comment ça va? On reste tranquille ici, quoi, parce que les shérifs ils sont tranquilles aussi. Mm-hmm. Tout ça n'est pas désagréable. Quand on a faim, c'est plus qu'on fait en fait. Tu vois, ouais, bah, regardez, ça, ouais. Je voulais même donner une portion de porc au caramel. Ah, si, ne le dites pas, mes frères, ils veulent manger tout seul, tu vois. Ah, bah, non, parce que s'ils apprennent que j'ai mangé du porc au caramel et qu'ils en ont pas eu, ils vont me frapper. À ce point-là? Oui, je partage avec eux. Ah si, tu sais. La dernière fois, on a braqué le saloon de Amadio. Ils sont venus donner des côtes de bœuf pour se calmer. Le problème, il en a mis une par terre. Du coup, on s'est battu et nous avons embarqué. Tout. Ils nous ont mis cette fois-ci. Ah oui, ok. C'est intéressant. C'est une grande histoire d'amour avec la nourriture. Ah si. Ceci étant dit, ne répétez pas, shérif. Voilà, voilà. Bon, mais bon. C'est à donner la carte au chef. Si, vous inquiétez pas, il va lui donner la tequila, il ira mieux après. Ouais. Ah, ok. Bon, bah, y'a pas de train. Bonne soirée. Oui. Ah, bah oui, ça règle le problème. Voilà, qui part avec le train. On est d'accord qu'il t'a avoué à demi-mot qu'il avait des mots sur lui. Parce qu'il parlait fort quand même. Dit, il parlait très très fort. Je dirais rien. Ouais. J'ai rien vu, je dirais rien. D'accord. Ok. Vous savez, moi je sais. Je sais. Même s'il l'a pas dit, il a pensé tellement fort qu'on l'a entendu. Non, de toute façon, je vous aurais pas laissé parler un peu plus avec lui. Oui,
Oui, mais ça valait pas le coup. Ça valait non, pas, ça vaut pas le coup parce que t'entends quelqu'un dire un truc qui peut très bien te dire n'importe quoi et que c'est pas du tout vrai et tu vas le fouiller sur un truc totalement faux et t'es en tort. Donc, En plus. Oui, bah oui, ça sert à rien. Non. Mais en fait. Enfin, moi, c'est la deuxième fois que j'ai affaire à lui, et la première fois, il avait braqué le General Store de Vannes. Alors, la seule chose, par contre, qui est un peu plus c'est qu'avec Delion, on les a déjà et on s'est demandé s'il faisait partie de la révolution mexicaine. Oui, il m'en a parlé, justement, mais je sais pas. Je donc, saurais pas dire. Mais je crois que Bud avait eu l'occasion de les rencontrer... déjà, s'il avait été enlevé par le réfet Sosa. Ils étaient avec lui. Ah ouais. Bon, là, clairement, ce qui me fait dire ça, c'est du délit de faciès, donc c'est vrai que c'est pas forcément... Non, faut pas faire du délit de faciès. Non, mais Bud m'avait dit que le réfet avait bien les gorditos qui étaient avec le réfet Sosa la dernière fois, mais après, le réfet Sosa, c'est pas la révolution mexicaine, c'est encore autre chose, donc... Ça fait. Donc, je sais pas. C'est pour ça que je sais pas, mais c'est pour ça que je vais donner la carotte, parce que oui, son cheval était pas bien, oui. Ouais, le cheval, oui, tirait. Ouais, moi aussi, faudrait que j'en prenne. Bah, la dernière fois. Oui, merci, faut pas le faire souffrir. J'avais eu besoin. Enfin, Carnage avait besoin de carottes et je lui ai donné mes 5 carottes. Je me suis trompé. Donc, j'en ai plus pour moi. Bah, j'ai plus que du foin, moi. C'est beaucoup moins efficace que les carottes, le foin, je m'en rends pas bien compte. Je sais pas. J'ai jamais utilisé le foin. Je sais pas. Après, moi, le foin, on peut le ramasser c'est gratuitement. Oui, c'est ça. Oui, oui bah oui. Il fait Madame, vous êtes où, le shérif? Bah non. Ah oui, quand il t'a posé la question, oui, j'ai rigolé. Moi, ça me fait toujours rire quand on me demande. Et salut. Et salut, Bad. T'es souvent avec nous, la question, même nous, des fois. Ah oui. Moi, je suis obligé de faire un peu. Je travaille surtout pour l'initiation. Dans 5 minutes, moi je pourrais. Je vais à une réunion. D'accord. Donc, Isaac sait où c'est, Miss Blanche sait où c'est. Donc, c'est à Moonstone Town. Bon, je pense pas qu'il y ait de soucis, mais. Moonstone, c'est où? C'est où? Il est à côté de Oak Street Grun. C'est le petit étang. Ah oui, en bas à gauche. Ouais, ouais, d'accord. Moonstone, qui est tombé dessus, je crois. S'il y a des étangs, ça va être des interventions, et bah c'est pour. C'est quoi ton fusil? D'accord. Fusil à verrou. Je trouve magnifique. Bah, bonne réunion. Merci. Merci. Je vais commencer à prendre mes affaires, envoyer un message à Garvet pour dire que je vais commencer à partir. Personnaliser mon lema aussi. Oui, ils sont partis où là? Parce que je crois qu'ils font une petite balade pour pas être embêtés. Je vais lui faire un compte rendu de tout ce qui s'est passé dans cette semaine. D'accord. C'est ça. D'accord, je t'ai pas su. Ils ont dit qu'ils devaient aller à la. Après, dans 5 minutes, je pense que c'est pour les jugements de ceux qui ont été arrêtés. D'accord. Bon. Oui, non, allez, j'y vais tranquillement. Est-ce qu'il y a la réunion de Monsieur Lily aussi? Oui, mais c'est une réunion de quoi en fait? C'est une réunion le comité de la ville et qui réunit tous les patrons d'entreprise et ils vont discuter des prochains événements qui vont se passer dans la ville et quoi faire pour redynamiser la ville, etc. D'accord. Bon. Ils sont tous partis du coup avec Madame Harrington. Hervé. Et De Lyon, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe à droite? Faut des bras s'agiter. Ah mais c'est
c'est Wakanda. Wakanda, Henri et un monsieur de dos que je reconnais pas. Henri, c'est le monsieur en bleu, c'est ça? Ouais. Okay. Wakanda, je crois que c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est la petite copine de... Enfin, c'est la compagne d'Henri. Oui, ils sont ensemble. Non, pardon. Elle a un métier ou... Ah, ça, je sais pas. Au sein de la ville. Non, pas d'infos que... Et bonsoir. Hey, comment ça va? Ça va, toi? Oui, c'est compliqué, il y a plein de trucs. Ah, j'ai pas tout suite, je comprends. Ça va, toi, Bad? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui. J'ai lu le marchand Knet qui est décédé. Ça fait un peu chier. Bah oui, c'est quand même lui qui nous a tout appris. Ouais. C'est son frère aussi qui m'a recruté. Pourquoi chaque fois que j'arrive ici, je vois une page bleue? Une page bleue. Si vous êtes en train de discuter, si vous pouvez rentrer peut-être sans doute. Attends, allez voir. Bonjour. Bonjour. T'es bad. Ça va, je me suis occupé de deux braquages aujourd'hui. Les deux... Et bonsoir. Ah oui, c'est vrai, vous êtes tous les deux à deux fusils. Ouais, mais je vais peut-être changer, je sais pas, on verra. Ah, c'est la mode ou... Oui. Est-ce que Nina, quelqu'un qui est disponible pour venir à la réunion de comité patron pour faire la sécurité ou même pour... pour participer à la discussion, pour vous ça va être très rapide. J'ai une idée. Exactement. Oui. On en a un qui va être futur acquéreur du General Store. Ouais, c'est possible. Donc on peut le mettre avec vous, comme ça il vient participer à la réunion en même temps. Ouais, mais c'est pas encore fait. Après, il faut savoir aussi, on va parler des primes de shérif pendant cette réunion. C'est dur. Ah, les primes. Oui, il a parlé d'argent. Bah, on va parler de l'instauration des primes et tout ça, et comment est-ce que c'est mis en place pendant la réunion. L'augmentation du salaire, c'est possible aussi? Vas-y, négocie. Okay, si jamais les négociations passent mal, j'ai le double canon. Ok. Voilà. Pas on n'a pas, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas. Tout va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Okay. Après, pour vous, on m'a fait les points pour le shérif en premier. Mm-hmm. Comme ça, si vous voulez partir après, ben on peut partir. Pourquoi Henri est là? Pourquoi je vois Henri faire la poule? Henri. Ça va ton épaule, Lambert, ou pas? Ah, j'ai encore un petit peu mal, mais ça va. Oui, c'est bon, je les ai enlevés hier, Madame Dubois me les a enlevés. Ah, t'as pas plus de nouvelles pour le Marshall? Le Marshall. Knut. T'es pas au courant? Bah, savoir français. Français quoi? Bah, oui. Je sais pas, c'est la semaine prochaine, je crois. Ok. Ouais. Ouais, je rendez-vous à la mairie pour la réunion. Après. Okay. Normalement, il faudra envoyer un télégramme à Garvey. Tu lui dis que je suis à la réunion. Rendez-vous à la mairie pour la réunion. La réunion à la mairie, machin, et que bah, on attend. Rendez-vous à ton bureau pour débrief. Hein, toi. Bonjour, messieurs. Ouais, c'est pas grave. Et bonsoir. Non, il n'y a pas de train. Hein. Non, il y a un tucker. Il est là ou pas? Vous l'avez vu ou pas? Il y a. Comment il s'appelle? Il y a. John.
Y a que Tucker et John? Ouais. En plus de nous deux. Par hasard, vous l'avez pas vu, monsieur Dagenhart? Non. Qui remplace monsieur Picard en attendant qu'il est en vacances. Ok. Essaie de. Envoie Telegram à Hervé. Pour lui dire que. Que moi, je suis à la réunion, à la mairie. Et essaie de trouver, du coup, Tucker et. On va faire un petit brief avant de partir. C'est ça, Tucker et John, vous faites un petit brief et puis vous partez en patrouille. Oui, de toute façon, on va faire une petite patrouille. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. Donc, c'est pour ça qu'on se fait une patrouille. Ok, ouais, on va faire une patrouille, ok. On envoie un télégramme à Isaac. Ouais, ça marche. Et on dit retour au bureau. Moi, du coup, monsieur Lévy, une demi-heure, retour au bureau, ouais, 21h40 à peu près. Ouais, ok. Ok. Allez, attention. Ouais, de même. Tu fais télégramme à Isaac ? Oui, pour dire que puis est parti à la réunion. Que nous quatre, on va en. Pas les noms, mais que le reste du bureau, parce que vu qu'on est quatre, on part en patrouille. Ok, allez, c'est parti. Alors, je peux tout vous expliquer. Ah, mais c'est l'héros ! Mais non, attends, ça fait 5 ans que je te cherche. Alors, comme ça, et Hervé, je crois que c'est comme ça. On va dire quoi, 21h02? C'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Allez, bonjour. C'est une façon de dire bonjour. Vraiment pardon. Je vais tout de suite excuser, je suis désolé. Non, mais y'a pas de soucis. Bah, c'est parfaitement vite, je comprends pas ce muscle, c'est une maladie, je pense, ici. On a tous ce muscle un peu quand même. Ah, c'est sûrement peut-être fin deux semaines, la tension, je sais pas. Oui, enfin non. Ou pas, non. Non, c'est un problème musculaire, faudrait que j'aille voir. Encore, hein. Très bonne soirée à vous. Ah, bonne... ah, y a pas de souci, y a pas de souci. Bonne soirée à vous aussi. Quoi ? C'est ma Wakanda, c'est ma Wakanda. D'accord, je crois que c'était un départ définitif. Ah non, d'accord. À moins qu'elle soit. Beckman ? Ouais, bon, c'était pas grave. Pardon. C'était un aucun rapport avec tout ça. Ouais. Non, non, enfin, c'est. Non, il est pas chez. Non, après, elle a postulé pour un rang plus haut, mais pour l'instant, on a... ça, je sais pas où c'en est, ces rangs-là. Parce qu'il y a Isaac aussi qui a postulé, et comme normalement, il y en a qu'un par comté qui peut y aller. Un rang plus haut ? Plus haut que shérif ? Oui. C'est ça. C'est ça. C'est plus haut, Marshall, c'est ouais. Pour moi, dans ma tête, c'était différent, vous voyez. Plus haut. C'est plus haut, c'est eux quand même qui dirigent les shérifs. Hein. Oh, ok. Il y a un problème, on se réfère toujours au Marshall. Oui, mais ok, d'accord. Okay. C'est un nos référents, quoi. Ok, je vois. Très bien. Entendu. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse une bonne soirée. Bonne soirée, merci bien. Et bonnes vacances aussi à vous et à Madame Cody. Pas de soucis, je passerai le message. Sans faute. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bon bah c'est fait. Ouais, j'ai envoyé le... non, j'ai pas encore eu... la personne de la home. Elle
Et du coup, on a qui? On a Tucker qui est là, et... Ah, il y a personne. Roy? Oui. Tu veux manger? Qui? Le député. Non, ils sont partis aux charrettes. Ils sont là-bas. Les deux? Oui, mais là, regarde, ils sont devant le General Store. C'est que Bart est encore en train de parler de son General Store. Bart, il commence à m'énerver. Il y a encore l'étoile, il doit se comporter comme avec l'étoile. Vous partez à faire une petite patrouille vers Emerald Ranch, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Ça, tranquille. Ouais, on va aller ça jusqu'à... Jusqu'à 21 ans, là. Vous faites une petite patrouille? Vous mettez d'accord tous les deux pour savoir ce que vous faites. Et vous revenez ici vers 21h40? Ouais, ça marche. Comme ça, plus il aura fini la réunion avec le maire. Ah, c'est Herb qui y va, du coup? Ouais, il est parti. Ouais, parce que ça a parlé d'argent, donc c'est important. J'aurais bien envoyé... Pas cher, il faut... De quoi? J'aurais bien envoyé... Je vous aurais bien envoyé faire les négociations pour l'argent. L'argent qu'ils doivent vous payer pour les primes? Ouais. Oui. Mais si c'est pas déjà 50$, c'est pas la peine. Hein. Bah c'est pour ça... Ouais, tu vois pourquoi je voulais envoyer madame. Bon, bah... je vais chercher mon cheval, je vais aller chercher. Ok. Je suis pas shérif, moi, non. On peut vous passer une étoile juste pour les négociations. Hein. C'est ce que je voulais dire, on peut te passer une étoile en attendant. Hein. Shérif intérimaire. On te fait un grade spécial. Shérif intérimaire. Si vous dites rien et qu'on dit rien, personne ne sait rien. Oula, je sais pas si je serais capable de me taire. Hein. En vrai, de Lyon, c'est compliqué. Ça ferait beaucoup rire. Déjà, on a Henri en face. Je sais pas ce qu'il fait ici. Je trouve qu'il vient un peu souvent ici maintenant avec Wakanda. Non, bah, il est plus Armadio. Ah bon? Ah non, il a démissionné. Ah, je savais pas. Ce que j'ai compris, Isaac, il voudrait le ramener ici. Parce que c'est un bon shérif, c'est juste que. Bah, après, il fait bien son boulot de shérif. Il fait la poule en face, tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, oui, ils font leur parade avec Wakanda. D'accord. De Lyon, il a forcé la main. Il a avoué à Wakanda qu'Henri l'aimait. Ah bah, c'est eux là. Ouais, non, c'est, les... c'est pour la patrouille. Ah non, c'est la patrouille. Ouais, bah j'y vais. Ouais, tout à l'heure. Oh, le cheval, il va venir ou il va pas venir? Voilà. Toi, je vais enlever ma veste quand même. Ça fait un petit peu chaud. Il est parti chercher à manger avant qu'on parte au patrouille. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'au début, du coup, il fait ouais, Marshall, parce que Miss Dubois, elle lui a dit que c'était un chauffard. Du coup, il se présente, il fait Marshall Cole. Oh, moi, je me explosé de rire, elle me dit oups, pardon. Et moi, je dis non, mais c'est pas parce qu'il est Marshall qu'il va foncer dans les champs. Ceci étant dit, c'est tout à fait vrai. Je suis sûr que lui-même. Si Marshall ou papa, il n'y a pas à foncer comme ça dans les champs. Même lui-même l'admettrait. Ah, on est au trop. Ah, mais non, ça c'est sûr que le face-à-face est risqué en général. Voilà. Je vais mettre ma veste dans mon cheval, moi. Bonsoir. Et bonjour. Et bonsoir. Comment vas-tu? Allez-vous. Kevin. Ouais, ça va. Yeah.
Du coup, je pensais on fait Elysium, Rockrix, on revient sur Van Horn, tu vois, on se promène. Ouais. Comme ça, ça nous fait. Comme tu veux. Allez, bah voilà, allez hop, on fait à l'inverse. Ouais, ouais. Puis on fait un peu de. On reste pas trop souvent dans les chemins, on fait un peu de hors-piste aussi. Il y avait bleu et jaune. Bah, je mettrais 5 cents de plus par rapport au prix où je les achète. Ça. Après, il faudra voir avec avec le shérif de comté, hein, ouais. Voir s'il veut en mettre d'autres en place ou s'il y a un code couleur qui est convenu avec les autres comtés. Ou... Il faudra que je vois lesquels c'est pour les règlements de compte. Ouais, complètement. Comme ça, je les monte un peu. Autant faire des bénéfices sur les règlements de compte. Attention, cheval de ouais. Ça peut être pas mal de faire. Et bonjour. Et bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a là, connerie de bien. Il s'est passé quelque chose là, dans l'après-midi ou pas? Un braquage à Annesbourg, sur l'armurerie. Encore? C'est le roi de la mafia, celui qui se barre avec son bateau. Il pas de bateau. Ah oui. Il a attrapé. Et après, il a son ennemi. D'accord. Son nom, il est parti. Il m'a mis une. J'ai réussi à la rattraper, j'ai plaqué. Et quand il s'est relevé, il m'a mis une capote sur la tête, il est parti en courant. Un sac de patates sur la tête. Ok. Ouais. Parce qu'ils peuvent mettre ça sur la tête. Il y a que eux qui peuvent l'enlever. Du coup, bah, s'ils partent, là, c'est mort. Enfin, il n'y a pas que eux, mais c'est compliqué. Ok. Bah, mais non, et puis après, là, ce soir, bah, à peine réveillé, parce que j'ai entendu, il y a eu un pillage de tombe juste après la tempête. Ouais. C'est totalement divisible. Ouais, ouais. Et puis il y a eu un braquage de la farmerie de Monsieur Grant. Encore ? Ouais. Ouais. Donc il y a eu. Oh, c'est... Je crois c'est qu'en 6 semaines, il n'y avait que deux qui avaient eu lieu. On range les armes. Aujourd'hui, il y en a deux. Oui, parce que là, je pense que ça fait. Soir. Ouais. Braquage plusieurs fois, Monsieur Grant. En une journée. Ouais, ouais, il va falloir qu'on soit beaucoup présent à Nesberg. Ouais, parce que du coup, ouais, mais le truc, c'est qu'on peut pas négliger le reste du côté non plus. Ouais, mais là, c'est que. On peut être. La seule façon, c'est qu'on soit plusieurs. Par contre, moi je dis, s'il y a des braqueurs, je leur tire dessus, moi, quand je vais à mon général temps. Oui, alors. Non, oui, justement. Et bonsoir. Tu vois comme moi un cheval qui se promène tout seul devant. Oui. Alors, c'est le cavalier qui a dû faire une chute et le cheval a continué. Non, ok. Non, voilà. Ok, non, mais c'était. Voilà, faut savoir si. Si le café que j'ai pris ce matin il était bon ou pas. Ouais, et t'as vu, il y a des maisons à vendre maintenant à Van Horn. Ouais, oui, il y en a. C'est bien ça. Ouais, c'est. On va pas dire grand-chose. C'est. Ouais.
je sais pas trop ce qu'il raconte comme connerie le gamin là, mais. Ouais. Oui. Ah bah c'est moi qui ai donné l'info. C'est celui qui a le. De tous les groupes. C'est celui qui est sur l'île de. De Gorama. C'est celui qui gère tous les groupes. Ouais. Emerald au Kriegsrun. Elysian. Ouais, Elysian, oui, voilà. Et puis, ouais. Puis comme ça, on rentre tranquillement. Ce sera peut-être. 21h30, je sais pas. Je suis dans la zone là. Bonsoir. Toujours 20$. Hein. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas, ça va. Pas de soucis. J'en suis. Je pensais que je les avais, mais. Non, mais prends ton temps, t'inquiète pas. Allez! Je suis pas à 20$ pris. Allez, c'est reparti pour la brume. On va encore rien y voir pendant la patrouille. Ouais, du coup, faut être vigilant. On sait jamais. Si un puma arrive. Non, j'ai engagé la cartouche, mais bon. Attention, cheval devant. Ouais. Et bonsoir. Ouais, c'est là, je crois, oui. Putain, on voit rien du tout avec, avec le brouillard. Et pourquoi c'est toujours moi qui ouvre la marche ? Moi je dis que ce serait les députés qui devraient ouvrir la marche. Ah oui, on a toujours le droit à un pourcentage de perte. Hein. C'est vrai. Ah c'est bien, on arrive dans la plaine, le brouillard se lève. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah, il faut jamais dire calme, hein. C'est le mot tabou ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a une personne qui est au galop. Ouais, sur la droite. Ça doit être le cavalier qu'on a croisé. J'ai dû faire demi-tour. C'est loin de tout ça là. Hein. On va aller à la ferme qui est tout au fond là-bas. Et appeler Emerald. Ouais, tu veux celle qui est au fond là-haut? Ouais. La cavale derrière. Mais je peux pas le voir. C'est qui? Ah, je sais pas si c'est pas une doc. C'est une TV, je peux regarder. Si c'est une doc, Non, mais c'est une doc, mais c'est qu'ils ont une réunion à... Ah oui, merde, c'était où? Réunion pas très loin. Oui, C'est ça. Bon. Eh bah, on peut passer, hein. Oui. On peut y passer pour voir comment ça se passe, si c'est tranquille, hein, la réunion. On va aller jusqu'à la ferme, là, qui est là-bas, là. Faire le tour de l'espèce de flaque d'eau, là. Toujours des canards. Hein. Ouais. Comme ça, il y a la petite maison avec les squelettes aussi. On va vérifier. La maison avec les squelettes. Et puis après, on compte sur le Kriegs. Ouais, il y a une maison avec des squelettes. Ah, j'étais pas au courant de ça. Il y a que les prisonniers de Sissika. Elle est juste à droite, là, en fait, le long des voies ferrées quasiment. D'accord. Bon, bah, on va regarder ça tranquillement. On va y repasser. Je vais vous montrer ça. C'est quoi? Bon, je vais te vendre du coup, vu que personne ne veut se lancer, c'est bon. Si on tombe. C'est dans le coin là en plus qu'il y a les bisons. Allez-y. Bonsoir. C'est les chasseurs.
Ah, désolé, ça va? Plus de peur que de mal. Tranquille, tu as oublié le monde. J'ai failli vous foncer dedans. Ouais. Ah, ah c'est là. Tu vas vite dire le contraire. Et bonjour, Charles Danesberg. Je vais voir ça. Allez, c'est fini pour moi. Je me tire. Ouais, il y a une petite odeur. Hein. Oh la dame. D'accord. Ouais, bah c'est un règlement de compte. Hein. Ah, bah une petite sorcière. Hein. Parce que, franchement. Je pense que c'est plus un poison, un truc comme ça. Je sais pas. Ouais. Assez obscur, je dirais. Ouais. C'est bon, il y a un œil hyper. Lequel? Bref, non mais c'est... Voilà, franchement, elle est... Elle serait pas en train de décomposer, franchement. Je pense qu'elle aurait pu être mal, la dame. Il faut bien rigoler. Hein. Ouais, non, chacun son truc. Vers 21h40. Ok, on va accélérer un petit peu le pas. Allez. On va rester comme ça tout le long. Hein. Enfin, on va essayer de rester comme ça tout le long parce que les chevaux ils font ce qu'ils ont envie des fois. Ouais, faudrait. Ouais, faudrait qu'on s'écarte un petit peu. Je me souviens encore du chemin pour aller à Hogrix. Non, ça résume assez bien la situation. C'est là? Oh, attends, je vérifie sur le carte. Ouais, moi aussi, j'y regarde. Ah oui, c'est là. Ouais, bah, attends, regarde, on va même sans s'en approcher forcément. Mais... Bon, après, on peut aller voir vite fait hein, comment ça se passe. Hein. S'il n'y a pas eu de problème. Rangez vos armes, c'est bon.
est-ce qu'on peut couper par là? Je ne sais plus. Attends. Si, si, ouais. Excuse-moi. Du coup, comme on arrive à... au Creek Swan, hein, faites gaffe au Grizzly. Je dis ça, c'est moi qui je vais me taper un Grizzly. Ouais, je vais remettre la petite veste, moi. Ça, c'est fait. Oui, je sais pas qui est dans le coin, mais... Bah, on y est passé plusieurs fois, j'ai jamais vu personne. Donc, ça doit être inhabité, pourtant, mais... Alors, ça doit être des chasseurs... Il y a peut-être mineurs, chasseurs, je sais pas. Personne dans le campement, mais qui est de la lumière quand même, c'est bien qu'il s'est habité. Bart suggérait qu'on appartienne aux Illuminati. Donc c'est très illuminé. Ouais, pourquoi pas. De quoi? J'ai pas entendu. Là, Bart qui disait que peut-être le campement il appartenait aux Illuminati. Par rapport aux Illuminati, mais Ouais, peut-être, peut-être. C'est une théorie. Je connais cette théorie. Il y aurait du complot. Ah, là on est trop serré, il faut qu'on s'aligne là. Parce que si on trouve à 4 sur ce petit chemin, ça va être compliqué. Oula, avec 36, ça peut-être accélérer un peu. On va peut-être accélérer un peu, non? Ouais. Après, enfin, pas besoin de galoper non plus, mais... Non.
parce que je crois qu'on va demander les restes. Si on coupe ici, je crois qu'on retombe chez les Weston. Ah, on est sur le niveau de leur yage là. Ouais. Ah oui. Oui, c'est ça, oui. Ouais. On reprend la route. Ouais, on va remonter vers le trappeur et puis on rattrape la route, on passe derrière le camp en fait. Ouais. Ok. Ou alors on fait demi-tour et on descend directement sur les Indiens. Comme tu veux. Bon, on va plutôt passer les Indiens. Les Indiens. Trappeur, il y a plus grand monde. Ok. On va passer les Indiens. Ouais, parti. Ouais. Ok. J'ai dit demi-tour. Pas devant moi, tu vois. Oh, cette vue. Ouais. Mais non, mais une belle vue ici. Avec un perchoir pour la chasse, et t'as la vue sur tout le lac. Ouais, c'est ça. Je crois que coûte 600 dollars. Oui, c'est là où on est passé l'autre jour, mais oui, 600 dollars. Propriétaire, il a craqué. Ah, ouais, quand même, 600 dollars quoi, là. Putain, la vache. C'est une baraque où tu peux même pas rentrer dedans. Donc. Limite, t'as des trous dans les murs. Ça ressemble plus à une cabane de trappeur qu'autre chose. Moi j'ai trouvé une cabane, elle est incroyable à côté de. Entre Van Horn et. Johannesburg, franchement. Bon bah on va aller tout droit. Oui. Elysian Pool, village de pêcheurs. Oula. Je suis un peu leur piste. Changer un peu. Tant de suivre les chemins. Range les armes, messieurs, galop devant. Ouais.
Et bonsoir. Eh bien bonsoir. C'est bavard. Non. Attention, pour vraiment dans le village. Ok. Il n'y a même plus de place à l'intérieur, il est à l'extérieur maintenant, du coup. Au sud. C'est quoi? Je vais rentrer à deux. Je vais en prendre un avec moi et on va laisser les chevaux ici. Et on va regarder vite fait au niveau de la deuxième sortie, enfin la sortie alambique. Ouais. On va rester 5 minutes. Ok. Ça marche. Comme ça, bah, ils voient que vous revenez en trouille, mais ils nous ignorent. Ouais, bah, je dirais à Bud que toi et puis. 10 minutes pas plus, c'est juste pour voir s'il y a un peu d'activité. Ouais, ok. Kovalski ou Bart. Comme tu veux. Ouais, allez-y. Ouais. Non, mais de toute façon, hop, on repasse par là. De toute façon, on y est. Non, moi, je suis à la Lichfield. Ah bah. Ça va, ouais. Vous partez en patrouille là. Bah, ouais, on va faire un. Il est en bas. Ok. Oui, on a croisé les médecins sur leur coin. Ouais, les médecins ils sont dans leur truc. Ah, bah j'ai pas. Ah, non, ça j'ai pas. Non. Ouais, à côté de Hawkins Run, il y a un petit étang où ils font leur. Ouais, c'était Moonson Farm. Ils étaient en rendez-vous là-bas, mais ouais, ça avait l'air calme. Donc ça a dû arriver après. Ouais, parce que apparemment, il y a la partie shérif qui est parti. Pas shérif, médecin qui est parti en trombe. Il y avait un blessé 100 mètres plus haut d'Annesberg, en fait, au final, il est parti en catastrophe sans dire où il allait parce qu'il y avait une zone noire. Ah ouais, mais ça le fait pas. Oui, il faudrait qu'il nous dise où il va. Et du coup, Bud nous a demandé de faire un retour d'Annesberg. Ok. Et vous, ok. Ah, mais t'inquiète, on saura le faire, moi aussi au début, hein. Puis après. Bah, c'est les chaleurs. Hein. C'est les chaleurs. Je vais repartir. Je vais de trait. Qui grimpe sur un gars.
Bon, du coup, on y retourne avec mon collègue. Kevin. Ouais, on Kevin. C'est parti. On retourne au bureau. Voilà. Ouais, t'inquiète. J'ai mes collègues qui viennent venir me voir en me disant que apparemment il y a eu un souci. C'était les roues. Ouais. Ben, c'est pas possible. De toute façon, j'ai payé votre médecin. Parce que là, du coup, j'ai vu que. Ça, tout se passait bien et là je crois que mes collègues il y a eu un noir. Ah voilà, c'est qu'ils ont pas compris. Ah Tumbleweed, d'accord. Et moi-même je suis arrivé en cours de route, je vous avoue. Tu vois pas du strawberry? D'accord, non, d'accord. Bon, je comprends mieux. Mais j'ai peut-être du strawberry en bonbon, ça peut arriver. C'est la précipitation, c'est le bordel là. Mais non, mais pas de soucis, pas de soucis. C'est la merde. Du coup, quel type du son? On a rentré les chevaux, du coup. Si c'est... Ouais, on va lâcher les chevaux ici. Non, c'est Tumbleweed apparemment. Je viens de demander au doc. Comme Tumbleweed, ça reste à l'autre bout de l'état. Salut Carnage. Tumbleweed. Ça va? Salut Carnage. Ouais, je crois savoir pourquoi. C'est le formerceur, je pense. Oui. Et il est pas là-bas. Non, il y avait un truc ce soir. Là-bas. Il y avait une opération du marché. Une opération. Ah, d'accord. Pour la révolution, sûrement. Oui. C'est pour ça qu'on a eu la rumeur de la révolution. Attends, je me mets dans ma tête une idée, j'arrive. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup de porter assistance à nos collaborateurs? Si on n'a pas d'appel ou de télégramme, on n'y va pas. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on sera les derniers à être appelés à notre distance. C'est vrai qu'on est non, alors... Bon, alors, t'as réussi à négocier? Oui. Il en parlera après. D'accord. Oui, après, on va être obligé. Qui rentre. On parlera de tout ça. Ok. Il y a des gros sujets de discussion pour ce soir. On attend que Jaon et Kevin viennent pour voir ce qu'on fait et comment on répartit les choses. Impeccable. Un petit café, moi. Vas-y. Télégramme, je reviens. J'arrive, je reviens. Je vais pisser un coup, moi. J'arrive.
Oh bah s'ils veulent, mais on va les attendre et on va faire un petit dispatch. Revenez de toute façon à la dixième poule. On est 10. 4, 6. On est 10, non ? Ah oui, il y a 10 à 11. Non, on est 9. On est 9. Ah, il est derrière moi. Celui qui en a changé, je te l'ai pas vu. Bon, on attend les deux derniers, on fait un dispatch. Ouais. Je vais les envoyer voir ce que c'est. Je vais les envoyer voir ce qui s'était passé, quoi, c'est tout. Mais ils sont partis à l'Isen, ils vont revenir. Pourquoi l'Isen? Je sais pas, j'aurais dit de faire le tour d'un iceberg, toi, mais. Ouais, c'est ça. La fois, on réfléchit. C'est qui arrive en charrette? C'est bon, on l'a lancé. C'est vrai que j'avais vu quelqu'un courir en haut, mais je sais pas. Ma chérie, elle a un problème. Le problème, c'est que. Oui. Le problème, c'est que on peut plus acheter de marteau dans. Dans le temps. Oui, le générateur, elle est vidée. Non, mais dans tous les générateurs, on m'a dit ça. Ah. Oui, ça. Il y a la plupart du temps, il y a des. Oui, parce qu'il faut voir avec les marches à le faire maintenant. Ouais, mais le problème, c'est que. Bah, je les paye, mais le problème, c'est que ça marche pas. Ils ont du mal. C'est bizarre. J'ai dû payer en tout 12$, mais. Ça passe très bien. Une jolie diligence à gauche qui est en train de partir là. 4 chevaux. Oui, c'est celle de Madame Cody. C'est la diligence qui fait le déplacement. Déplacement de Tumbleweed, Armadillo, Blackwater. Et vous allez sortir votre carte, papa. Ça fait long, quoi. Et Bud, tu sais que c'est apparemment c'est Tony qui a appelé le General Store de Saint-Denis, là, qui est expliqué. Tony Gonza. Tony le dindon ? Ça me dit rien, Tony Gonza. Tu as pas connu ? Mais si, tu l'as connu, Tony Gonza. Non, je pense qu'il était là pendant que j'étais en vacances. Ah, peut-être. Ouais, si, je l'ai peut-être connu, ça me dit quelque chose. Être super con. Bah ils sont où les deux autres là? Bah, je sais pas. Ils sont perdus en chemin ou Alors 10 ans, on a encore fait une chute à cheval. Je propose quelque chose. On envoie Lambert, Bart. Et John, vous partez sur la bleue. Ok. Vous arrêtez très loin de Baku Station pour surveiller un peu s'il y a de l'activité. Et vous revenez. Et vous allez au camp Wapiti voir s'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Ça fait un moment qu'on n'a pas été au camp, c'est vrai. Ouais. On y allait, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, on va aller jusqu'au camp, ouais. Pour regarder s'il y a de l'agitation ou pas. S'il y a des gens, vous allez pouvoir discuter un peu, ils sont pas méchants. Et quand vous revenez devant la grotte, vous y arrêtez pas. Hein. On fait pas de surveillance. Non, bah non. Mais faites une petite surveillance de 5-10 minutes pour Bacchus, par contre. Ok. Par la petite maison en dessous de la grotte. La maison un peu trop glodite là. Ouais. Vous allez un peu plus vers le bord de la falaise et vous allez voir le pont. Le pont et la gare. Ok, bon bah on va faire ça. Ça m'attend Dizaon et on les envoie avec deux autres. Ouais. Je vais y aller. Bah vas-y avec eux alors. Tu es avec nous alors. Ouais, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Il y avait qui? Parce que
Parce qu'après, moi, les nouveaux, voilà, je connais pas vraiment les noms. Plaquer, mais ça c'est pas grave. On va entendre parler beaucoup de ça. Ouais, je pense que je le mérite aussi. Ouais. T'inquiète, ça reste entre nous et le budget. Ah, on a le. D'accord. Ah, il est où mon cheval? Brutus, t'es où? Brutus. Brutus, t'es où? Ah, t'es là. Allez, viens là. On se met plutôt en indienne ici, c'est serré. Ouais. Bon, j'étais pas devant. L'arme à la main, s'il vous plaît. Passer derrière si ça va entendre. Arme à la main. Arme. Oui, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait une tine bleue, moi. Bonsoir. Ça va les gars? Et bonsoir, Miss Etienne. Comment ça va? Ça va, on va aller faire le bleu là. Beau chapeau noir? Si. Il est beau, hein? Oui. Il est beau.
On allait faire la bleue. Ouais, après, je sais pas si vous retournez le. Il y a encore du monde au bureau ou pas ? Il y a Ben, Tucker, Carnage. Je crois que c'est tout. Donc c'est tout. Et puis, ils devaient aller chercher Kevin et Dizamon qui étaient allés au-dessus d'un SBR. Apparemment, il y avait un blessé. Mais... Ouais, c'est pour le Garner, on l'a pris par papier. Pose mon étoile ce soir. Ah. Et moi, je vais vous dire après. Herp. Je. Il est tombé de. Attends, je t'aide. Ça va, Herp? Non, il nous la sauve. J'encaisse. Ah, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Et du coup, Madame Harrington, moi aussi, j'ai posé mon étoile lundi ou mardi, de toute façon. Ouais, j'ai appris que t'allais ouvrir le General Store. C'est ça. Plus d'Annesburg, si on pense à Monsieur Lévy. C'est ça. Ah non, je préfère vous la prendre là que vous la preniez par un bout de papier. Ouais, bah c'est mieux. C'est je pose mon étoile ce soir, je rentre voir mon père et je vais voir si je trouve Edward. Je repasserai sûrement avant, en récupérant mon frère avant l'ordre de mission à Baltimore. Bah c'était un plaisir de travailler avec vous en tout cas. Plaisir partagé. Faites en sorte que le bureau d'Annesburg continue de rayonner. Alors, pas comme le faisait Blackwater en mode ils sont jamais chez eux, mais... Essayez de continuer à porter l'uniforme. Respectez chacun des citoyens que vous allez croiser. Même si c'est des gros cons, ne vous dépassez pas leur niveau. Mais continuez à faire perdurer ce que les Marshall nous ont appris. Oui. Là-dessus, je vous fais confiance, les gars. On sait que vous êtes des bons chefs et vous continuerez à être des bons chefs. Vous allez me faire pleurer. Mais non. Mais non. Moi, je vous connais pas aussi bien, mais merci en tout cas. Suprême. Je suis à peine arrivé. J'ai beaucoup entendu parler de vous en tout cas. Oh, bien, j'espère. Ouais, évidemment. Alors, on va devoir botter des culs sinon. Non. Shaolin. Ouais, de lui en cours. De partir au galop. Aïe. Même pas peur. Non, mais pour ceux qui sont les plus connus, que ce soit Herp, Lambert, Garvey, De Lyon, Bud, aussi notamment. Vous avez toujours été des bons chéris, vous le serez toujours. Merci. Vous ne laissez pas avoir face à des gars qui vont essayer de vous faire sortir de votre gond. Attends, je t'ai suivi. Pas leur niveau. Je t'ai suivi de la petite larmichette là. Oui, bah arrête. Hey, c'est bon, vous tranquille. Non. Normalement, et j'essaierai de repasser vous voir pour récupérer mon frère avant de rentrer à Baltimore. Tout ça va. Mais du coup, oui. Regardez. Bah, félicitations en tout cas, Garvey. Et bonne. Gloire à Garvey. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, Anil. On s'en reverra sûrement de toute façon. Là, j'ai fait le tour des comtés pour dire au revoir au chef à qui je dois leur dire au revoir. Et on s'en revoit au bureau. Ouais. Si je fais pas qu'il n'y a plus Armadillo. Oh non. Ah non, on envoie. Attention les bandits. Faut au moins que j'aille voir Sheriff Silver. Oui. Donc, Junior, qu'est-ce que tu fais? Junior, arrête. Je sais, t'es pas. Ça y est, ouais, lui aussi il est triste. Ouais, voilà. Je pose l'étoile que ce soir, de toute façon. Donc. Très bien. On vous reverra quand même, du coup, oui, vous avez dit, vous repasserez. Bah, ce soir, j'en repasserai au bureau. D'accord, ok. Mais je prendrai le bateau demain. D'accord. Okay. Et après, j'essaierai de repasser quand mon frère rassemblera ses affaires pour partir à Baltimore. Mais en attendant, je vais passer mon entrepôt à Garvey. Mon entrepôt qui est à côté du bureau sera plus simple. Ouais. Je vais lui filer l'argent du bureau aussi. Et mon argent aussi viendra à votre budget pour vous acheter les armes, si j'ai besoin. Et oui. Très bien. À la fin de la soirée, je lui passerai mon rolling block. Oh, quel honneur. C'est aussi le double canon. Puisqu'il n'y a que. Le rolling block. Ah, mais je sens qu'on va prendre des balles dans les fesses, on va pas savoir d'où ça vient. Bon, allez, faites attention à vous sur la patrouille, les gars, on se voit tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Faites attention à vous.
t'as un bud. Ouais. Ouais. C'est. Ouais. C'est bien, on va aller dans un endroit où il fait un peu plus fort que dans l'arbre, c'est pas joli ça. Oui. Ça va faire drôle. Mais. Et c'est la vie, il y a des gens qui pètent, des gens qui vieillent. Et oui, non, mais après, une gêne, voilà, c'était. Les Fapnet, Jen, Cornelius. C'est ceux qui ont fait revivre le bureau d'Annesberg. Ça va faire drôle de les voir. Et on ne force pas sur le galo parce que là, il y a quelqu'un qui nous envoie dans la tête. Oh, ça va faire drôle sans Jane, sans Cornelius, bah, du coup ouais bah sans Draco, sans Alex, sans les bourgeois de Saint-Yumik, ok. Ça fait drôle parce que c'était eux qui avaient lancé le mouvement et tout. Ça va faire bizarre. Enfiler un gen derrière, sinon ça va causer des accidents. Oh, on va éviter quand même faire un accident. Ah ouais, c'est pour ça. C'est joli par ici. Tu veux faire quoi? On...
je veux dire, tu veux qu'on regarde un peu à Bacchus ou on va au camp Wapiti? Ouais. On va aller au camp Wapiti d'abord, voir si tout va bien. Ok. Ok. Arrivant, range les armes. Range l'arme. Bonsoir, je suis Johannesburg. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, on dirait qu'il n'y a pas grand monde. Du coup, le pont. Il avait dit au niveau de la maison. Hein. Oui, on se met au niveau de la maison et apparemment on a une vue. Regardez. Oh, ça. Alors. Là, c'est un camp Wapiti, donc il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de camp de tribu fixe, en fait, c'est un peu. Non, c'est un refuge pour tous les natifs. Je sais pas si on peut chasser ici l'orignette, on en avoir un vite fait comme ça. Ça marche pas mal ici. Pas à côté du camp. Peut-être à l'arc, mais pas au fusil. Pas à côté du corps. Pour la chasse? Ouais. Pour la chasse, c'est que, on ne fait pas aux alentours du camp et dans la région, c'est obligatoirement à l'arc. Le fusil ou le revolver vous sert pour vous descendre. En tout cas, vous défendre. Oh, c'est tôt pour aller. Un orignal qui fait de la taille de mon cheval et de moi en plus dessus avec des grosses des gros bois. C'était impressionnant. C'est de la viande de gros gibier, mais sinon moi je la vends dans une étoile. Je vais dire de là-haut là sur le rocher, rien, je pense, non. Mais non, on voit pas parce qu'on a les arbres. Oui, là on voit pas grand chose. De là-haut on verra pas. En fait, il y a les arbres qui nous gênent, je crois. Peut-être là, limite. Non, pareil. En fait, on va regarder le côté droit. On va regarder le côté droit. Le côté droit, pardon, le côté gauche. Côté gauche. Mais je sais pas, Bud, il disait au niveau de la maison, oui. Apparemment, on a une vue. On va aller voir. Parce que là en face, c'est quoi? Là en face, c'est le. C'est l'arrêt. Oui. La maison qui est sur la gauche. C'est ça.
quoi ici? Désolé, c'est quoi ici? C'est une maison ou attention. Alors, il y avait quoi au niveau de la maison? On a une vue. T'arrives à voir quelque chose là? D'ici on voit le monsieur. Ah, il est où? Le Mexicain. Là, il est entre les deux arbres. Entre les deux arbres, sous les rails. Il met moi en place. Alors, entre les deux arbres, au niveau du rail. Sous les rails. Et dessous. Normalement, tu vises entre les deux arbres et juste avec le premier zoom. Ah oui, je vois. Ouais, ces zones-là peuvent être marquées de... à surveiller. Ouais. Ok, on va faire ça. On va marquer, on verra ça. Ok, tout bon. On lève le camp. Tu es dégueulasse. Allez, retour à Annesberg. Retour à la maison. Oula, pardon. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est de ma faute. Qui tombe. Les chamans marchent sur la lune en esprit. On a. En esprit. Les chamans. Je veux trop contrôler. J'ai flair le contrôle, mais
je vais finir au fond du ravin. Ouais, faut y aller doucement ici. Désolé. Bonjour. Tu veux? Et là, on rencontre un puma. Ouais. Je vais parler. Et bonjour monsieur. Et bonsoir. C'est bien. Est-ce que dans le coin? Ouais. Faites attention, dans le coin il y a beaucoup de cougars et d'ours. Ouais, merci. Merci. Est-ce que vous avez un revolver ou quelque chose au cas où? Ok, très bien. Mais écoutez, faites attention à vous et puis bonne chasse. Allez, bonne soirée. Et c'est là qu'on tombe sur un cougar. C'est joli, hein, la cascade, la rose, c'est... Là, les trois cascades, là, c'est magnifique, cet endroit-là. Bon, tu mets de côté les cougars, mais sinon, c'est magnifique. Belle région, on a de la chance. Ouais, de temps en temps, j'ai dans le coin là chassé. Je suis venu chasser ici. Le régnal. Très sympa. Je me suis fait attaquer par un puma d'ailleurs. Ah bah ici. Allez, on va prendre le train, c'est rigolo. Allez, au galop jusqu'à la ville. Je vais la suivre derrière. Heureusement qu'il n'y a pas de train. Hein. Heureusement qu'on fait ça quand même. Heureusement qu'on fait ça, tant mieux qu'il n'y a pas le train hein, pour ce soir. Et bonsoir. Vous avez du porc au caramel? J'ai du porc et j'ai du caramel, mais pas encore de porc au caramel. Ça ne saurait tarder. Je vous en réserve 2000, merci. Ah ouais, quand même. Là, vous avez des nouvelles de... Parlez-vous qui vend très fort. Oui. Vous avez des nouvelles de M. Messati? Alors, Monsieur Messati, pour le moment, il est reparti au pays pour un certain temps. Et pour le moment, il m'a laissé les clés du comptoir. Donc,
D'accord, donc actuellement, c'est vous le propriétaire du saloon à peu près. Actuellement, disons que le gestionnaire du saloon est remplaçant en attendant que. Ah, bah c'est bien, ça m'arrange un peu, non? Ça m'arrange un peu, oublié, disons que. Oui, moi, ça m'allait bien d'être cuisinier et puis de me laisser le premier. Oui. Oui. Non, bon, on va faire un essai. Après, c'est vrai que c'est un peu triste de plus les voir. Mais... Du coup, il y a toute la famille, là, juste lui qui est parti. En ce moment, j'ai l'impression que toute la famille est rentrée en Italie. Donc, D'accord. On verra dans les semaines à venir s'ils reviennent. Il y a quelqu'un qui est allongé là-bas. J'espère de les revoir, parce que c'est vrai que ça, le sol est désert. Oui, il y a quelqu'un qui est allongé. Ouais, je vais voir ce que c'est. Bonsoir. Ça va? J'ai un peu bu cette nuit. Je fais un petit dodo et je me lève. D'accord. Si vous voulez dormir, vous pouvez dormir à l'hôtel, hein. Parce que là, dormir sur le trottoir. Je me sens pas capable de me lever tout de suite. D'accord. Ok. Alors, attendez. Par exemple, j'ai eu trois personnes, trois groupes de personnes qui se sont déplacées pour. C'est parti. Tout va bien. Oui. Les autres. Pourquoi il n'y a personne au bureau? Bah non, tout parti. On a croisé le shérif partir au triple galop, je ne sais où. Ah. Mon fiancé qui. Attention. Ah, parce que là, nous on était partis faire une petite patrouille, et puis on a croisé de Lyon, Isaac et Jen. Et bon. Non, mais je l'ai croisé, je l'ai vu rentrer à 9h, mais le truc c'est qu'ils étaient très occupés, donc moi, monsieur Grand voulait m'offrir un âne, donc. J'avoue, ah, un petit peu d'accord. Que... Un âne? Attends. Ah. Monsieur Grand voulait t'offrir un âne? Bah oui, il m'a offert un âne. D'accord. C'était rigolo. Oui, oui. Oui. Je vais partir une heure sans me prévenir, enfin me dire où il va. C'est pas que je veux tout savoir, mais c'est possible de savoir où sont les personnes. Parce que là, tu dis, ils sont tous partis au triple galop, là. Oui. Je les ai croisés, mais je peux y aller. Il y a hésité plusieurs. D'accord. Tu as envoyé un télégramme? Non, je peux envoyer un télégramme. Tu as envoyé un télégramme à Garvey pour moi? Je vais peut-être en envoyer un lion pour lui dire que je suis un petit peu vexé. Oui. Oui, non, mais là, oui. Non, parce que quand tout à l'heure il part, voilà, je reviens le voir et. Tiens, je la connais la madame là-bas, je la connais, Fanny Charlie, mais je me dis, t'étais où? T'étais où? Puisque tu m'as pas dit où t'étais. Comme lui, il s'inquiète pour moi quand je le vois pas pendant un moment, ben là, c'est pareil. Oui. Moi, ça me fait chier de rester là, quoi. Oui, j'imagine, oui. Oui, je peux bien comprendre, oui. Le truc, c'est que... Ah, l'histoire de couple. Attends, j'en ai pas d'autre, là. Ah, si, j'ai ça. Je vais manger dehors, pas manger à l'intérieur, quand même. Hop. Voilà. On va aller boire un petit coup.
Alors, on n'attend pas Oni. Eh ouais. C'est pas du luxe. Vas-y, monte. Essaie de monter devant, ouais. Et voilà. Parle fort, Bart. Bon, bah, je sais pas où ils sont partis, du coup. On voit un télégramme. On va voir. Ouf. Gouvernement, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mairie de Blackwater, ok. Bon, mais c'est plutôt calme de dire que ce soit. Ah, mince, faut pas dire ça. C'est plutôt. Ok. Agréable. Tranquille, on va dire. C'est tranquille. Ah, il n'est que 10h30. Écoutez. Ah, c'est pour ça que je sortais ma charrette, j'arrive. A dit qu'ils sont partis à Valentine pour vérifier quelque chose, je sais pas quoi. Vérifier quelque chose, d'accord. Mm-hmm. Oui, ils ont besoin de partir à 7 pour vérifier quelque chose. Ouais. Ah, mais après, je crois que Jane avait dit qu'elle faisait le tour des comtés pour dire au revoir. Déjà, mais bon. Par les marchaux, par le Marshall, parce qu'on se déplace à 3 sur d'autres comtés, alors à 7. Oui. Ah, il me répond. Moi aussi. Ah bon, ok, pas moi. Normal, j'ai rien envoyé. Ah. Ouais, peut-être y aller, non ? On est parti. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, il y a O'Neill qui est dans le coin, je crois. Ça, on peut... Oui. Bah allez, on n'a pas besoin de battre, hein, donc... bah tiens, Bart, allez. Allez, parfait.
Lambert. Ouais, je vais regarder un peu comment ça se passe. Et bonsoir, j'arrive de Denisbourg. Non, on est loin, vous pouvez sortir. Non, frangin, bah reste à l'intérieur, toi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez un otage déjà? Bah, oui, on a un otage, on a les billets. Ok. Est-ce qu'il est en bonne santé? Frangin, demande si Charlie est en bonne santé. De quoi? Mon frangin dit qu'il est en bonne santé, à part qu'il a la syphilis. Ok. Qu'est-ce que vous avez volé? Bah de l'argent. Mais combien? C'est pas un peu trop facile, combien? Bah. Non, demande-lui qu'est-ce qu'il vole. Je sais pas, 3$. 3$, ok. Et combien vous exigez pour la libération de l'otage, du coup? Bah, je vais parler à mon frangin. T'aurais dû leur demander comment ils allaient, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, lancer une discussion pour leur emmener petit à petit. Je les connais, en général, ils sont assez rapides. Mais attends, c'est pas ce qu'on a croisé. Attends, je crois que on les a croisés à Nesberg sur un dos de Dan. Ouais, c'est ça. Deux frères bêtes comme une mule, mais. Enfin, bêtes comme deux mules, du coup. Eh oui, frangin, il nous demande juste parce qu'on veut, donc je dois choisir, mais n'oublie pas, c'est tic-tac là. Ah ouais, c'est pas bête. Allez. Est-ce que vous aurez des minutes de bananes sur vous? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Vous avez quoi à manger? J'ai... deux parmentiers de poisson. T'as déjà goûté parmentiers de poisson, frangin? Ou salade d'artichaut, quoi. J'ai du porc au caramel, si vous voulez. Parmentiers de poisson, et c'est ça notre revendication pour libérer Charlie. Porc au caramel. Toi aussi. Hop là. Frangin, tu me surveilles, je vais prendre à manger. Vous allez voir, c'est très très bon. D'accord, ben merci quand même. Le respect, mais même si on fait ce qu'on fait, c'est toujours légal. Merci. Bon bah je te passerai ta part après, frangin. Bon du coup, par rapport à votre évasion, comment voulez-vous que ça se déroule? Est-ce que vous avez une idée? Bah qu'est-ce que vous proposez? Alors soit on fait un combat en 1 contre 1 des shérifs. D'accord. Soit tu peux leur demander on laisse partir un, il nous rend, alors il y en a un qui nous rend tout ce qu'il a volé et on laisse partir un et c'est l'autre qui prendra pour tout mais il aura la minimale. Ouais c'est bon, bah, c'est déjà tout réfléchi, bah, je vais prendre le combat. Allez on fait ça. Je vous laisse avancer. Bah, on va pas tous s'éloigner, parce qu'on doit garder l'homme. Non, mais toi, sur Charlie, on a un homme. On est des hommes, tu me couvres. On est des hommes de confiance, toi. Une parole est une parole. Bah voilà, moi j'ai tout rangé. Ah bah c'est parti. Range tout. Bah, celui qui veut. Bah, moi je veux bien. Bah, allez-y. Si tu veux faire un combat, range tout. Hein. C'est chez nous le balai ou c'est le nord? Nous. C'est pas un peu à moi quand même. Moi, je... Ah, vous êtes du Bayou? Vous venez du Bayou? Ouais, nous sommes des Cajuns. On est des Cajuns. Pour un jeune donneur quand même de $2. D'accord.
Bon. C'est bon ? Ouais, moi je crois. Ok. Attends, je vais aller voir. Attends, bah tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais aller voir. Il est où Earp ? Voilà, on fait une grande fois quand même, je vous donne 2$. Ah bah. Voilà, on fait. Bah, vous m'avez donné à manger, et bah, je vous donne 2$. Ouais, parfait. Bon, frangin, tu me surveilles, hein. Tu... Attendez, hein. T'as vu, il y a un individu sur toi là. Où ça ? Parce que là, je sais pas si on va regarder l'espace, c'est comme peut-être juste où ils sont mes côtés. Si t'as vu devant nous, il y a un individu sur toi là, mais c'est pas un chef. Ah oui, d'accord, oui, c'est un local. Hein. C'est un local, je crois, non ? Pour que ça commence, tu m'en colles une, je t'en colle une, après ça commence ? D'accord. On parlait très fort, hein. Bah, du coup, c'est moi qui vais faire le compte à rebours alors. 3. 2, 1, top. Allez, vas-y, Vanille. Oh, pas mal, Vanille. Allez, vas-y. Allez, Odile. Allez, montre ce que font les shérifs de l'iceberg. Wow, vas-y. Allez, vas-y, Odile. Défends, droite. Ah, c'est bon, stop. Franchement, je vais être gentil avec vous. Il y a eu un très bon combat. Très très bon combat. C'est rare que les gens soient gentils avec nous. Souvent ils nous disent qu'on pue et nous mettent des coups de pied. Non, là franchement, très beau combat. C'est le meilleur, hein. Le champion. Il fait des matchs de l'autre. De toute façon, vous avez rendu ce qui a été volé. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bah tenez, je vais vous donner ça. C'est du pain au caramel. C'est très bon. C'est pareil, oui. Je vais même vous donner du jus d'orange, même. Quand même. Bon, merci, c'est gentil, ça. Ouais, je suppose que je dois vous donner un dollar, c'est ça ? Et bah, vous me donnez un dollar et puis on est quitte. Puis voilà. Ouais, voilà, j'ai même pas le temps. Voilà, tu peux baisser les bras ou est-ce que j'aurais pas à vous ? Oui, je pense que vous pouvez baisser les bras. Bon bah, merci monsieur chéri. Merci, c'est promis. On va s'en faire. Et un honneur. Plus les c'est vrai. Ah mais c'est pas contre vous que j'ai gagné un combat la dernière fois aussi ? Moi ouais, j'avais gagné la dernière fois. Ah bah non. Ah oui bah c'était pas moi. Il est fort comme tu l'avais dit. Et du coup l'autre.
Et attendez, du coup, je pourrais avoir vos noms. Alors attendez, que je prenne des notes au moins. Alors, sinon dans les bagnoles on m'appelle la poisse. La poisse. Ouais, parce que je veux dire, quand le ciel, il y a des trucs qui arrivent, c'est pas cool. il y a des objets, on n'a jamais pu les récupérer. C'est quoi ce genre de piège ? Alors, du coup, vous dites monsieur. Barnabas. C'est ça. Comment vous appelez? Barnabas. Et Barnabas. Mars, comme le marais. D'accord. Sur la carte, vous avez Blue West Mars. Bah, c'est pareil. D'accord. Et du coup, le nom de votre personne, c'est... Oui, W-I-2-L. Mais alors, W-I-2-L. Alors, Wintentos. Non, c'est ça. Wintington. Ok. Wintington. Et j'ai un papier qui dit que je suis guéri, qui vient de la grande maison. Wintington, ok. Je suis guéri, j'ai un papier. Je suis guéri pour essayer. Ah, c'est bien. Et monsieur Wintington, ça va aller? Vous avez besoin d'un médecin, d'un doc? Eh ben, vous savez quoi, je suis encore d'humeur généreuse. Du coup, je vais vous donner $1 pour payer quand même le doc. Oh, c'est gentil, merci. Ouais. Allez, tenez. Bah, c'est super gentil, ça. C'est vraiment gentil. Ah ouais, je suis ému. Oh, on est ému. Bah... Reviendra. Oui, mais pas dans des conditions que, comme là, ça serait. Allez, vas-y, courez. Allez, courez. Merde, je suis mon chimiloute là-bas. C'est vraiment cheval. C'est pas possible, une bonne raclée parce que ils sont vraiment bien là-bas. Très bon combat quand même. Très très bon combat. Oh, un buisson qui marche. Allez, c'est parti. Ouais, attends, j'arrive. Non, je disais hop, 2 secondes. Mais du coup, ils sont partis où? Ah, ils sont peut-être partis. Ouais. Ok, bah, répondu. Allez, vas-y. Écoute, faudra que j'achète des trucs à bouffer. Ouais. Bah, du coup, tu les connaissais, les deux du Bayou? Je connais. D'accord. Ouais, oula. Ouais, c'est la menthe. Ouais. Ah, bah attends, ils sont juste là. Voilà. Ouais. Ça va. Je viens d'entendre un truc bizarre. Il avait donné les bandits pour qu'ils viennent ici. De quoi? Ouais, ça me paraît bizarre aussi. Mais j'ai ouais. Le maire, entre parenthèses, celui qui se présentait comme étant le maire, dire ça. Abdel. Ouais. Ouais. Non. Non, je pense pas que ça soit. Il y a un maire à Vanorme? Ouais. Non, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui se présente comme étant. D'accord. Herp, il est où? J'ai pas vu, il était pas au... Là où je suis.
suis parti chercher à manger. Ah bah il est peut-être reparti sûrement. Ok, bah hop, on y va. Ah, attends, je vais monter, vas-y. Ouais, bah grosso modo, on a terminé par un combat et on a gagné. Ils ont rendu... je disais... Un bon combattant. Ouais, bah respect. C'était les gars du Bayou. Donc ça s'est soldé par un combat, on a gagné et puis on les a laissés partir, ils ont rendu ce qu'ils ont volé et puis voilà. Y'a pas d'amende non ? Non, j'étais gentil et c'était un très beau combat, ils ont été polis, ils ont été coopératifs. Franchement, puis on a gagné, l'autre il était quand même un peu seulement amoché, donc et voilà. On va pas non plus leur remettre tarif pour, voilà. Bien sûr. Non, là, ce soir j'étais généreux, j'étais gentil. De toute façon, il y avait un bon combat, ça a bien duré, t'as bien géré O'Neill. C'est pour ça que ça s'est fini comme ça, que j'ai pas mis d'amende, rien du tout. Bon, on a les noms déjà, on a récupéré les noms, voilà. Mais bon, prochaine fois qu'ils reviennent, voilà, je pense que justement, on sera peut-être pas d'humeur généreux. Ouais, de toute façon, ils vont revenir, mais... Oui. Si ça vous plaît, un entraînement pour le combat, si vous voulez, je vous montre comment je fais, parce que... En général, j'ai gagné une grande partie, mais... Combat de boxe ? Ouais. Je sais pas que je la pète, mais... Non, mais... Donc, ça a un peu aidé, j'ai une technique infaillible. Attention à toi. Verdict ? Ouais, bah on a gagné un combat. Combat de quoi ? Ah, pour le braquage de Van Horn. Ouais, c'était deux du... Ouais, les combats se font ici. C'est mieux. Ah, ici, ouais. Bah c'était deux du Bayou. Du Bayou, tu avais leur nom ? Oui, j'ai récupéré leur nom. C'est qui t'a fait le négoce ? O'Neill. Pourquoi on a un homme à terre ? On a un homme à terre, où ça ? Ah ! Ah, c'est pour ça qu'il faut toujours envoyer paître ses chevaux un peu plus loin. Ah oui, d'accord. Il le vire de là, il le met à la plage et c'est fini. Bref. Négociation, ça a été bagarre forcément ? Non, alors il y avait soit une bagarre, soit merde, il y en a un qui rendait tout et on laisse partir l'autre et celui qui reste il prenait la minimale. Et ils ont préféré choisir bagarre. O'Neill il a dit ok et puis voilà. Zaon et Tucker. Mais maintenant on va arriver à ça. On sait bien de le faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Sinon, les braqueurs, ils vont tout le temps venir, ils vont dire ah, bagarre, et ils ont une chance sur deux de gagner. Oui. Voilà. Et du coup, on se fait pas trop respecter à cause de ça. Les gens du Bayou, c'est pas la première fois qu'ils viennent. C'était Microbe et son frère, je suppose. Non, c'était pas ça. C'était, alors, je vais te dire le nom, Barnabas. Ouais. Et l'autre c'était Will Wingington. Will Washington. Non. Quelque chose comme ça. Mais c'est Will et. Ah d'accord. Ouais, bah y en a, c'est Barnabas Mars. Il avait un chapeau et les cheveux blancs. Oui, je crois. Oui, donc c'est pas la première fois qu'il vient de braquer.
D'accord. Ok, bah la prochaine fois que qu'ils seront là, bah on sera plus complaisant. Que ce soit pour Kevin ou bon, Carnage, je sais qu'il propose pas ça, mais pour Kevin ou quoi, arrêtez de proposer une bagarre. On propose une bagarre quand voilà, ça fait c'est la première fois qu'on les voit ou quoi et qu'on les connaît pas trop. D'accord. Si on les connaît, si on sait que c'est les gens du Bayou, que ce soit les Moriarty ou les. Quand ils s'appellent les Prank. Alors, Dizao, ce que je suis en train de dire, Dizao, c'est que. Marre d'avoir des bagarres. D'accord. On se fait pas respecter à force. On peut faire des bagarres quand on connaît pas trop les personnes. Ouais. Parce que là, c'est encore là, bah, ils viennent d'arriver. Ah. Je suis en train de faire débrief de la du braquage. Ah oui, alors c'est parce qu'ils ont fait bagarre là-bas. Oui, j'ai vu ça. Bon, on a gagné. Ils ont gagné, mais bon. J'étais en train de leur dire qu'il faut se calmer sur les bagarres. C'est pas la première fois que les Cajuns ils viennent. C'est les mêmes, c'est les deux mêmes que la dernière fois. Que les bagarres, ça nous, on se fait pas respecter dessus, du coup. Parce qu'ils se disaient, bah, c'est bon, on va avoir une bagarre, on a une chance sur deux de partir, et si on part avec $10, on part avec $10. Quoi. Faut maintenant, il faut leur proposer aussi des choses ou une alternative. Vous la laissez réfléchir, vous mettez plus loin, vous attendez de savoir s'ils viennent tout seuls, vous coopérez, ou s'ils préfèrent partir. S'ils partent à cheval, vous les suivez à cheval, s'ils partent à pied, vous les suivez à pied. Ok. Mais il faut qu'on arrête de se laisser marcher, entre guillemets, dessus. C'est pas la première fois, et si à chaque fois ils viennent, ils font bagarre et qu'ils gagnent à chaque fois, ben on se fait passer pour des mauvais shérifs, entre guillemets. Parce qu'on n'est pas des mauvais shérifs, mais ça, on se fait passer pour des branquignoles. Donc, essayez d'être, comme Lambert a dit, une solution. Il y en a un qui paye et sur les deux, et vous nous rendez tout. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de les fouiller, hein. Ouais, il faut toujours les fouiller au retour, on ne sait jamais. Non, mais même quand vous êtes là-bas et vous voulez faire ça, vous dites. Ah oui, 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 oui. Et on va vous fouiller pour vérifier que vous nous avez bien tout donné. Parce que la parole d'un shérif, on la connaît nous, mais la parole d'un bandit, on la connaît nous. Voilà, merde. Respectez ou pas le deal. D'accord. J'ai également une suggestion pour les Cajuns. Oui. Vu qu'en général, ils se parlent également avec leur surnom, ça serait bien de prendre leur prénom et prénom. Mais on les a, normalement. Bah, le frère, je ne sais pas du tout. Rhodes, il faut revoir avec Rhodes, mais normalement, Rhodes a les. Non, ils m'ont donné que les surnoms. D'accord. Donc, ok. Bah, le deuxième, c'est juste qu'il s'appelle Frangin, mais. Donc, petit récapitulatif, les bagarres, on prend que si on connaît pas le groupe, d'accord, et limite, on évite, même, j'ai envie de dire, parce que c'est bien rigolo deux secondes, mais on se fait passer pour des branquignoles. Ah. Bah, les Cajuns, c'est pas la première fois. Logiquement, ils doivent avoir un peu plus que ce qu'on leur donne. Ça serait pour le recensement, s'il vous plaît. Ok. Quelqu'un va avec Carnage pour faire le recensement. Qui n'a pas vu encore le recensement. Ah, moi j'ai déjà fait pour quelqu'un. Moi je l'ai pas vu. Moi. Ok. Donc, je veux bien qu'il y ait des alternatives pour des gens qu'on connaît pas avec la bagarre et si c'est dans l'après-midi, mais le soir non. Le soir, les Cajuns, c'est pas la première fois, ça fait la deux ou troisième fois qu'ils se bagarrent. Maintenant c'est stop, on lui offre notre alternative. Soit comme Jean il a dit, un des deux prend l'amende. Et on nous redonne tout, toujours en les fouillant, bien sûr. On vérifie bien qu'ils nous ont donné, parce que, comme je disais, la parole de shérif, nous, on la connaît, mais la parole de braqueur, on ne la connaît pas. Ils peuvent nous dire, je vous ai tout donné, et ils peuvent en avoir encore dans les poches de son copain. C'est ça. Deuxième chose, vous pouvez aussi leur donner une alternative où vous êtes tous les trois pas très loin, vous entendez, le négociant, il dit, je vous laisse deux solutions. Soit vous venez vers nous et vous avez un minimum de peine. Donc après, ça peut être suivant ce qui se passe, travaux d'intérêt général ou pas.
suivant le braquage. Hein. S'il a braqué 2 dollars, un travaux d'intérêt général, ça va. Si c'est pas la première fois, c'est la troisième ou quatrième fois, on lui met pas la minimale, on met une normale. D'accord ? Ok. Si vous lui laissez 2 alternatives, soit il vient de lui-même et c'est nickel, s'il vient pas de lui-même et qu'il préfère s'échapper, s'il part au cheval, vous prenez le cheval, s'il part à pied, vous le suivez à pied. Pas de lasso et vous prévenez quand vous plaquez. Que ça fasse moins mal et qu'il sache ce qu'on fait. Comme ça, il est prévenu et il dira pas « Ouais, mais vous m'avez pas prévenu, il n'y a rien. » D'accord ? Quand ça part à cheval et que les trois sont à cheval, d'accord ? Et que ça finit à pied. Il y en a un qui reste à cheval, pas que le braqueur récupère un cheval et puisse partir et que les deux autres qui sont et que les autres à pied soient « Ah merde, où mon cheval et tout ça ?» Mais celui à cheval n'intervient pas. Il est là que pour suivre si ça repart au galop. C'est bien compris ? Oui. Donc, vous faites, si et vous le dites bien, que si il décide de partir de lui-même et qu'on va le courser, ça sera, il n'y aura pas de minimal. Ça va. Je vois bien les photos. Comme ça, il a le choix. Vous écartez. Comme ça, vous lui laissez la possibilité de choisir par lui-même. Il n'y a pas de pression. Vous mettez tous, par exemple, sur le ponton du milieu en face du salon. Vous attendez de voir s'il vous rejoint ou pas. S'il ne vous rejoint pas, hop, vous partez. Et s'il vous rejoint, donc, pour ceux qui sont derrière, vous pouvez laisser dans la rue. Comme ça, vous êtes déjà prêt à partir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il vaut mieux qu'un de nous soit toujours à cheval, on ne sait jamais. On est un peu trop gentil, là. Là, les bagarres, je ne vais pas dire qu'on en... On va dire qu'on est à 50-50, c'est-à-dire 50% du temps, on les laisse partir parce que... la dernière fois, j'ai perdu parce que j'étais déjà blessé par Isaac. Isaac, il m'a mis du patate, j'ai pas eu le temps de me faire soigner, j'ai dû me battre. Donc, je pars avec 2 patates dans la figure contre lui qui est tout prêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et oui. Donc. Et puis, on peut pas tout régler comme ça non plus. Voilà. Ouais, non, non. Les shérifs, on doit faire respecter. On a des lois. Ouais, faut les faire respecter. Quoi. Voilà. C'est tout. En après-midi. Attends, je vais virer les chevaux qui sont en plein milieu là, ils m'agacent. En après-midi, vous pouvez tenter de le faire. Ouais, très rarement, voilà. Mais c'est une première fois par les personnes, à partir de 2-3 fois déjà. Une chose, n'hésitez pas à regarder les petits délits ou les choses comme ça des autres pour savoir s'ils sont déjà, on les connaît déjà. On leur laisse pas le choix d'une minimale alors que c'est pas la première fois qu'ils viennent. Sinon, ils vont venir à chaque fois chez nous. Ah, les shérifs de Nesbar, ils sont trop gentils. Et c'est ouais, pas faut pas qu'on fasse ça. Donc voilà. Donc, pour ce... qui va se coucher là ? Moi je vais y aller. Ok, Heure. Je vais y aller. Kevin qui est à l'intérieur, il m'a dit qu'il allait se coucher. Lambert, tu vas te coucher ? Ouais, je vais rester encore une petite heure, puis après je vais me coucher. John ? T'occupes des patrouilles et tout. Une petite demi-heure personnellement encore. Ok. John et Bart, vous étiez sur le braquage. Bart, tu lui montres comment on rédige le. Ouais. Le braquage ? Ouais, bien sûr. Et Disaon et ouais. Lambert, vous allez partir avec Tucker faire une petite patrouille Van Horn, Elysian Pool, village des pêcheurs, ouais. Et vous remontez jusqu'au Trappeur du Nord. Ok. Ouais. Ok. Alors du coup les noms encore oui c'est un papier vierge à côté de toi après j'ai nom mais il faudra regarder dans les registres comment ça s'écrit exactement parce que non c'est ça non ah. Il va falloir que tu contrôles pour non, voir j'ai compris que ça s'appelait March c'est bientôt ok. Ouais, Barnabas March, je crois. Mais dis-moi comment tu les as écrits tout après. Alors là, c'est monsieur Barnabas March. Alors Barnabas B A R N A B A S. Et March M A R C H.
B-A-R-M-A-B-A-S et March M-A-R-C-H. Ah ok, attends. Et March. Ouais. Ouais, donc monsieur Barnabas March. Et le deuxième, c'était Will Wingington, je crois. Wingington. Wingington, quelque chose comme ça, oui. Ouais. W-I-T-H, je crois que c'est commencé comme ça. Moi, je vais rester dans le registre. C'est où sont les registres ou pas t'as dit. Ouais, grosso modo. Je pense qu'ils sont au même endroit que là où il y a les amendes et tout, ouais. Du coup, c'est bon ouais. Ah, bah, alors, voilà. Ok. Eh bien, ça va, ils sont où, les médecins Street peut être juste en face à la gare. Ouais, le télégramme. Les deux blancs, merci. Pas de soucis. Bon, parti pour faire une petite patrouille. Revenir vers 30-35. C'est vraiment une petite patrouille, hein. Vous n'avez pas besoin de rester 36 minutes sur chaque point. Ouais, vous faites juste un petit tour. Pour rester... Ça a été un endroit vite fait. Voilà. Vous restez 5 minutes à bien regarder qu'il n'y ait rien. Vanor, vous n'êtes pas, pas obligé puisqu'on en vient. On en vient. Et puis de façon, s'il faut, on est à côté. Quoi. À l'Isian Pool, bien faire le village des pêcheurs et l'Isian Pool. Parce qu'on avait vu au village des pêcheurs tout à l'heure avec Kevin, quelqu'un qui s'est mis, qui s'est planqué derrière un arbre quand il nous a vu, il s'est mis à courir après. Oui, c'est ce que je vous dis. Vous êtes là, vous faites semblant de sortir, vous cachez un peu plus loin et vous regardez si ça revient. Ouais, ok. Pour éviter qu'il y ait un braquage de pêcheurs. Et trappeur du nord, vous en profitez pour ceux qui doivent vendre. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais toujours un en sécu pendant qu'un qui vend. Ouais, pour pas qu'on se fasse. Vendez pas tous en même temps. Bye bye. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est même pas ça. C'est que comme ça, vous pouvez vérifier les alentours en même temps. Et après, vous, venez, vous essayez de revenir vers 35-40. Ouais, ok. Et Armand, il est pas. Ouais. Normal. Bon, on va essayer de pas faire de strike en prenant nos en apprenant nos fous, ça serait bien. Ouais. Pourquoi t'arrives toujours par là, toi? Il y avait bugué sur le couloir de la cune, mon cheval. Ah, ça va faire bizarre quand elle sera plus là. La couleur de sa cage. Comme quoi c'était pas uniforme et que je voulais changer. Sauf qu'elle a bugué sur le mot que. Ah. Attends, c'est soit passé devant, soit. Hop. Ouais, ok. Ouais, on va essayer d'éviter de. Alors, faut qu'on. Ouais, soit on s'écarte, soit on fait la file indienne. Pas besoin d'aller à Vanorn, on y est déjà. On y a été pour le braquage, donc... Il est passé, donc... Il passe.
moi je suis bête et discipliné. Hein. Ah mais vas-y, y'a pas besoin d'y aller, c'est pour ça. Non, pas besoin de rester. Ah oui. Ah, je crois que j'ai cru entendre. Et bonsoir. Non, j'ai cru entendre dire qu'il n'y a pas besoin d'y aller vu qu'on y était. Pas besoin d'y rester parce qu'on y était juste avant pour le braquage. C'est bon ? Ah ouais, c'est vrai que c'est les bossons. Monsieur, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Comment allez-vous ? Allez-vous ? Eh ben ça va très bien ma foi. Et bonsoir. Donc comme je vous ai vu faire des signes en arrivant, hop, excusez-moi. Quand je vous ai vu faire des signes en arrivant, j'ai cru que vous aviez quelque chose à nous dire, c'est pour ça. Ah non 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 non, il y avait aucun souci, c'était pour vous dire que même si j'avais mon arme de sortie, c'est juste que des fois on sait jamais. Je n'avais pas vu vos uniformes de loin alors. D'accord, d'accord, d'accord. Aucun souci. Bon, tout est calme à part le petit braquage de tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est pas ça, c'est des gens qui s'est mis à braquer. Du coup, c'est bon, on est méfiant maintenant. Oui, je me doute. Après, c'est vrai qu'avec les armes sorties, il faut se méfier. Bonjour. Parce que... Bonjour. 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 Parce que les locaux, bah, vous êtes pas sans savoir qu'ils ont une petite tendance à vouloir sortir les armes aussi dès qu'ils ont envoyé une. Ils sont très vite excités. Exactement. Ah, ils sont un peu spéciaux, les locaux de Van Orme. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci de même. Ah, easy. Vas-y, vas-y, vas-y. Bonsoir, shérif. Et bonsoir. Tu veux encore avoir accès au coffre? Vas-y. Attends, il y a Marie qui passe. Godless, non, Boswell. Oh, je sais plus. Boswell. Non, Godless. Ah, oh, putain. Non, Boswell. Oui, Boswell. Et bonsoir. Et bonsoir. Un peut-être. Je sais pas. Bonne soirée. De même. Bonne soirée. Merci. Comme quoi je commence à avoir une bonne mémoire. J'allais dire photogénique. Enfin, mémoire des visages et même des vêtements et tout. Parce que c'est la première fois que. Donc là, on va aller à la maison jaune, c'est ça? Ouais, vite fait. Maison jaune, village de pêcheurs et lisière de boule, trappeur, ouais. Et on rentre. C'est ça. Putain, j'avais pas remarqué mes branches en fait. Ouais, on fait un peu d'hors-piste. Hein. J'étais parti dans une mauvaise direction. Okay.
je sais pas comment on l'appelait. Ça m'a fait penser à un nom de bateau. J'allais dire une connerie, mais... Parce que lui, c'est un peu la forme... Oui, aussi. Ouais, tu... ça t'a fait penser à Black Pearl, du coup. Exactement. Bon. Ouais, bah justement, je pensais à le faire aussi. C'est un automatisme, même, de toute façon. Oui, dès que t'arrives dans des villages, il vaut mieux manger son arme. Arme à l'épaule. Mon fax, c'est pour moi, oui. Et vous avez vu les toilettes qui étaient... Ouais, ouais, c'est... C'est original. Tu bloques un trou dans les toilettes, tu chies à ciel ouvert. T'as vu quelque chose? Non, je regarde au niveau de l'entrée de la grotte. Ah, oui. J'ai toujours un œil là-bas, je pense. Bon, bah... C'est l'entrée, c'est ça? Bah, l'entrée, elle est juste en face. Où en face? J'allais dire... Sous... Ouais, voilà. Là, il y a une cascade. En gros, c'est la cascade et c'est en dessous, quoi. C'est ça. L'entrée, il faut passer sous la cascade pour rentrer. Ouais, ok. Et la sortie que tu me parlais de la mine, là... Ouais. C'est la même grotte. Ok. D'accord. Allez, c'est parti. On reste un peu... Hop. Non, bah y'a personne. Non, sentine. Là, on va aller au trappeur. Comme ça, bah, ceux qui veulent vendre aux trappeurs, allez-y. Ouais, j'ai plein de trucs de lycée que je me font chier. C'est bien, bousier, dragon laveur, renard. J'ai pas trop de bison, chercher un bison. Mais par contre, j'ai tombé sur plusieurs, au moins 5 biches et cerfs. Sauf que j'ai pu en tuer qu'un, j'en ai ras le cul. T'es mauvais. C'est quoi? Ouais, je pense qu'on va faire une petite séance de tir, hein. Ah non, mais ça c'est l'alarme, sauf que le truc qui m'arrive à chaque fois, c'est genre j'arrive, je me dis bah tiens, je vais courir, je t'emmène à neuf avec un truc qui se barre. Faut pas courir à la chasse. Faut prendre son temps, il va doucement. T'approches l'animal furtivement. Tu fais qu'un avec la nature. Regarde, hop, l'écureuil qui est juste devant toi là. Pas un télé. Cet après-midi, on a eu Henri qui était chez lui faire Armadillo. Ouais. Et là, il a fait deux jours là, qu'il est plus chéri, qu'il a rendu l'étoile. Et donc là, il avait fait un spectacle. Mais je te jure, ça fait très longtemps que j'ai pas tapé un fou rire comme je me suis tapé. Henri, je le connais pas. Ah non, mais c'était incroyable.
Bah, tant pis. Shérif d'un radio. C'était tellement nul, bah il est plus shérif du coup. Oui, bah du coup, oui, il est plus shérif maintenant. C'était tellement. Mais lui, il en pouvait plus. Il en pouvait plus, on en pleurait de rire avec Isaac et Miss Dubois, je te jure, mais c'était un grand moment. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas autant. Vas-y, vas-y. Ça va, 10 ans. C'est comme ça que tu remets tes bottes. C'est une technique, oui, c'est ça, originale. Je sais pas, j'ai des moments comme ça où. Donc ça me casse tellement les bras que. Ouais, se dépêcher peut-être un peu d'aller au niveau du. Ouais. Merde, parce que vu que les Western Kids sont dans le coin. Hein. Ouais, on ne sait jamais si jamais ils sortent hein, pour X raisons, donc voilà. Oui, bah après, oui. Oui, c'est ça. Alors certes, ils vont venir, ils vont nous casser les couilles, mais on va bien leur faire comprendre que c'est pas la meilleure des idées qu'ils aient eues, quoi. Ah oui, c'est ça. Alors peut-être que voilà, on va partir en quelque sorte, parce que... Non, mais après, apparemment, ils ont passé un accord, entre guillemets, avec Monsieur Lévy. Et Monsieur Lévy les exempte de taxes d'habitation pour les entrepôts qu'ils ont. Et en échange, ils ne font pas le bordel long, quoi. Ça tombe si jamais il fait con. Ça peut être un bras. Il est parti, c'est pas où il va. Oui, mais bizarrement il part toujours comme toujours tout droit, à fond, mais. Non, même pas. Ouais, une petite glissade, moi, mais souple sur les articulations. Ouais, là, souple sur les appuis, pas sur les articulations. Bah alors, petit problème avec le cheval ? Ouais.
bon, bon, bon. De toute façon, on va faire une petite patrouille et puis après on va se coucher. Parce que là on est là. Et après. On est là et puis après on descend et puis c'est bon. Et un iceberg. Il est lent. Il en met du temps. On n'arrête pas de le charrier. Ah, mais il le mérite. Oui, je sais, t'es pressé. Qui c'est ? Tu veux qu'il se magne ? Un tour dans l'eau, ça va être calmé. Ouais, ça je sais, mais alors braquer, je sais pas comment ils font pour le cheval. Et bah c'est tout droit. Hein. On y va tout droit et on y est. Aussi, je sais pas trop quoi, mais bon. D'un coup, on est à deux, c'est ça. Mais il est là. Bah, il est là. Et il a fait du hors-piste. Chemin.
me suis inquiété, t'es à où? Bah, j'étais juste à ta gauche. Ouais, mais moi je regardais à ma droite. En étant à la gauche. Je coupais les trains, tout simplement. T'as fait du grand petit, c'est pas bien ça, non? Si, juste. Oui, il faut s'en. Bonsoir. Ah, ils sont chiants. Ça, on aurait pu se dire que c'est une homme de chef, homme de go. Pourquoi il monte? Faker, si tu fais. Ah, il va regarder. Il a raison, profitez. We are Nisburg. Nisburg. Par contre, moi je descends de mon fogo. Je suis rapide, très rapide. Ah ouais, d'accord. Ah putain, je te jure, mais j'en peux plus. Je peux plus de cette équipe. Qui se téléporte, ok. Et toujours la petite chose sur soi-même. Je sais pas pourquoi. Oui. Okay. Quelqu'un qui voulait se faire, qui voulait acheter une maison, donc ça passe par Monsieur le maire, bien sûr, qui ont fait ça devant le bureau du shérif. Ouais. La maison, vous voyez la maison au sud de Van Horn, qui est un peu seule, qui est pas loin de la chemin de fer. Oui. D'accord. Ah, attends, je crois. La grande maison là. Je vais voir ce que tu vas me dire. Je te laisse. Mais je crois savoir. C'est un groupe qui a acheté cette maison? Oui. Les Boswell. Un groupe ou une famille? Une famille? Oui. Ah, c'est un groupe, hein? Oui. Oui, bah les ceux qui ont repris le saloon de Van Horn. On sait où ils sont? D'accord. Bah oui. Eux, je pense qu'ils attendaient de trouver une maison dans les parages pour faire un peu plus la mine. Oui, je pense. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle. D'accord. Moi je m'attendais à une vraiment bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, hein. Que tout le monde sait, c'est les Moriarty. C'est ça. Okay. Et c'est une bonne nouvelle, tu sais pourquoi? Parce qu'au moins on sait où ils sont. Ok. Donc s'il faut faire une descente chez eux un jour, parce qu'ils sont... Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'on va pouvoir surveiller les allers-retours qu'ils font à la mine. D'accord. On va pouvoir surveiller ce qu'ils font. Ok. Ouais, donc on comprend pourquoi une bonne nouvelle. Alors j'ai entendu parler, je sais plus. Nous, on était là quand il a donné l'argent à Monsieur le maire. D'accord. Où est-ce que j'ai entendu parler de ça? Je vais juste mettre un peu d'argent. C'est hier. Et c'est. Il a été brandi par un mec aux alentours de cette maison. Alors, c'est vers où la maison? Juste au-dessus de Van Horn. Ah, mais attends. Juste au-dessus de Van Horn. Au sud. Ah, au sud. Ah, c'est là la grande maison là. Celle qui va en direction de Saint-Denis.
que c'est lui. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça, va, ça risque de nous faire lancer dans la tête. Parce que tu te rappelles que Isaac nous en avait, il nous avait parlé qu'il s'était fait, kidnapper par un type. Ouais, vite fait, ça me rappelle quelque chose. Mais c'était vers le Bayou, non? Oui. Oui, c'était au Bayou. Mais Kevin disait que à peu près dans le même secteur entre le Bayou et Van Horn, il s'était fait braquer par un type au Cattleman et qui lui avait dit de dégager de la propriété parce que. Ouais, alors. Ouais, j'ai entendu vite fait, oui. Oui, ça j'en sais rien. Donc voilà. Carnage, c'est pas l'heure de voir le médecin, toi? Ouais, je vais voir si elle est dispo, mais j'en ai pas vu encore. L'apprenti est parti avec Jefferson. Hein? De Dubois et à la chasse. Ah, il y a la chasse Dubois? Oui. Et Blanc, elle est dans les parages, mais on sait pas. Ah, je vais arrêter. Ok. Ouais. Alors, autre chose à savoir. On a un nouveau responsable du General Store. D'accord. Donc j'ai dû voir les formalités avec Carnage, j'ai pas encore le pouvoir de faire quelque chose moi et nous. S'il doit rendre l'étoile, c'est pas à moi, c'est à Carnage. À Isaac. Oui. Et ça y est, ah, ça y est, c'est ce que j'allais dire, c'est officiel alors. De quoi? De quoi? Et qu'il ait repris General Store? Oui. Ça y est, il l'a dit. Il est en train de faire un service sur avec le maire. Qui est General Store? Bart. 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 O'Neill. Oui, d'ici shérif. Non? Oui. Oui. Et ben il pose l'étoile et il reprend le General Store de d'Annesburg. Ok. Oui, parce que oui, c'est bon, j'ai fait rien des infos que j'avais en tête. Ok. Donc, juste pour info, et ça vous le gardez pour vous, il n'était pas fait pour être shérif. Ok. Oui, mais ça, je l'ai dit. Je l'ai dit dès le deuxième. Oui. Ouais, mais je l'ai vu deux fois, moi, donc. Pour vous dire, il y a eu trop de gamineries en service. À se pousser devant toute la ville entière, à jouer à la poussette ou au lasso en pleine ville, ça se fait pas. On est quand même. On représente la loi. Comme je vous ai dit, il faut qu'on arrête de se faire passer pour des petits rigolos ou des mecs trop gentils. Ouais. On n'abuse pas aussi sur ces vires, c'est ce que je veux dire. Mais il faut qu'on mette un peu plus... faut trouver un juste milieu, mais il faut qu'il y ait plus d'assurance. Il faut qu'on serre un peu plus la vis à l'heure actuelle. Gallo. Jean, Robert, ne pars pas comme ça. Vous allez bien? Oui, vous. Je viens vous voir parce qu'il y a une baisse de 3$ devant ouh, le gunsmith. Ah, ok. C'est pas mon argent, donc je préfère. Tant pis à sa conviction. Très bien. Bon, je vous laisse au moins gérer ça. Ouais, je crois qu'on peut pas. Ah, tu veux pas aller. Attends. Non. 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 Putain. On peut pas récupérer les billets. Très bien. Okay. Bon. Ils sont coincés. Pas de partie pour celui qui les a perdus. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, vous allez me dire, c'est 3$, ça va encore. Oui, oui. Après, je trouvais ça étrange, mais comme c'est pas, ça ne m'appartient pas, je préfère aller voir. Hein. Oui. On sait jamais si c'est pas. Putain, je vois le truc se téléporter, moi. Genre, que nous on utilise, quoi. Ok. Ça, merci. Merci de même. Bon,
Je vais aller dormir. Bon, bah, bon. Moi je vais aller dormir. Et. Ouais. Bon, bah, bonne soirée, puis à demain. À demain. Bon, bah, yep. On va aller se coucher, hein, tranquillement. Il est. Ouais, il est moins 10. Allez, hop, passer par là. Merde. Ah, mais c'est bon. Ils ont géré. Je parie que c'était les docks. Bon allez, moi je vous dis bonne soirée à tous, des bisous, soyez sages, et à la prochaine.